D'abord, pour combattre en montagne, la première contrainte, c'est le niveau physique. Parce que c'est un milieu escarpé, donc qui demande un très bon niveau physique. Ensuite, techniquement, concernant l'artillerie, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Pour les équipes qui sont à l'avant, ils évoluent dans un milieu qui est beaucoup plus compartimenté. Donc ils auront moins de profondeur dans les observations. Ensuite, pour les sections tir, il y a moins de mobilité pour les vecteurs artillerie, que ce soit César ou mortier, qu'en pleine. Le tir d'artillerie en montagne est un peu plus technique. Il faudra prendre en considération toujours ce relief pour éviter notamment l'écrêtement. C'est lorsque la trajectoire de l'obus peut rencontrer un élément naturel, une montagne notamment. Donc qu'est-ce qui va changer d'un régiment génie et montagne? En fait, c'est que nous, on a vraiment la spécialité ouverture d'itinéraire avec des véhicules articulés à chenilles qu'on a derrière moi. On a aussi tout ce qui sera déclenchement avalanche. Nous, on est équipés donc, principalement en escrime de combat, d'ISRC. Nous, la particularité, c'est qu'on peut aller avec les engins en montagne parce qu'on a été formé pour. La grosse différence entre un transmetteur et un transmetteur de montagne, ça va être son côté qualification montagne et qui va devoir justement, en plus de son métier de transmetteur, affronter tout ce qui est les éléments montagne et hivernal en l'occurrence. Donc ce qui diffère entre le combat montagne et le combat en milieu ouvert ou en pleine, donc le relief avant tout, le froid, les conditions météo. On dit qu'il faut tenir les sommets dans le combat en montagne, c'est tout à fait logique, puisque plus on est haut, plus on va avoir des vues, et plus on va pouvoir dominer ce qui se passe et voir au plus loin. Le tir en montagne, c'est différent, ça demande plus d'expérience et beaucoup plus de rigueur encore une fois. Comme tout ce qui se fait en montagne, ça demande un entraînement particulier, on va dire. Être capable de combattre en montagne, c'est peut-être pas une plus-value pour le soldat, mais c'est une plus-value pour l'armée de terre. Ça c'est sûr, parce que ça permet d'engager des troupes dans un milieu difficile. Et c'est important de ne pas laisser d'endroits où on peut ne pas combattre.